Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur vous invite à aller avec moi les différents passages que nous aurons exploités tout le long de ce mois. Et après quoi nous allons entrer dans notre sujet de séjour. Et en fin de compte nous allons prier et passer à la Sainte Seine et d'autres services liés à ce qui est d'action de grâce. Sinon je tiens à te rappeler que tu es béni. Le fait que tu es là présent, c'est un kit spécial rempli de dividendes spirituels. Et vous allez les remarquer tout au long de ces enseignements. C'est un enseignement qui me bénit moi-même chaque jour. Je découvre beaucoup de choses à chaque fois que je lis la parole. Et je dis, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je suis dans Proverbe 22, verset 29. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son travail, dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme habillé dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des personnes obscures. Proverbe 10, 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbe 10, 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait la horde. Genèse 26, 20. Le berger de Guérard querellait le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ce serviteur creusa un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Genèse 30, 37. Jacob prit des branches vertes d'amandier et de plantane. Il pela de bandes branches, mettant à nu le blanc qui était sur le branche. On va encore lire ce passage jusqu'à là pour voir ce qui s'est passé juste après. Genèse est un passage que je ne peux pas oublier. Genèse 2:15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Gloire à Dieu. Père, bénis ces paroles. Élève ton nom à tout jamais au nom sans suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Autrefois, quand nous parlons de la richesse, nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons expliqué c'est quoi la richesse. Nous avons dit que la richesse n'est rien d'autre que le manger, le boire et les commodités de la vie. Et pendant qu'on continue à ces concepts de définition, nous avons encore insisté en disant que la richesse, c'est un état. Un état spirituel, un état émotionnel, un état physique. Selon que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous les égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et quand on parle à tous égards, ce n'est pas d'abord la dimension physique qui compte, mais c'est d'abord une dimension spirituelle. Ce n'est pas d'abord la dimension matérielle, c'est d'abord une dimension spirituelle, une dimension émotionnelle au niveau de l'âme et une dimension physique.
C'est-à-dire la santé. C'est là on peut parler de la richesse. Nous avons insisté en disant que la richesse n'est pas avant tout les biens matériels. Les biens matériels n'est que la manifestation de la richesse d'une certaine manière. Et ce qui nous a amené à présenter plusieurs éléments à ce qui concerne la richesse. Nous avons dit la richesse est un don. La Bible dit quand tu l'as reçu, si tu l'as reçu, pourquoi tu glorifies tout? David le dit encore clairement. Nous t'offrons que ce que toi tu donnes. Là, il parle de Dieu. Il insiste en disant, si nous arrivons à te donner quelque chose, ce n'est pas parce que nous l'avons créé par nous-mêmes. C'est parce que toi, tu as mis la chose à notre disposition. On a dit la richesse. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Comment expliquez-vous que juste la présence de l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Edom, la Bible dit l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Il y avait des choses que Obed-Edom ne s'est pas expliqué parce que depuis toujours, il faisait l'agriculture, il faisait l'élevage, mais il n'a jamais expérimenté ce qu'il a expérimenté ce jour-là. C'est quoi je dis? La richesse est spirituelle. Il y a plusieurs passages qui attestent que la richesse est spirituelle. Dans ce sens que il y a plusieurs passages qui attestent que la richesse est spirituelle. Dans le sens que il y a ceux qui évoluent dans le monde des ténèbres. Ils se livrent à certaines pratiques pour avoir la richesse. Et nous aussi, nous avons des pratiques auxquelles nous nous livrons pour avoir la richesse d'une certaine manière. Parce que la richesse que Dieu nous donne, il nous donne pour qu'il y ait la stabilité d'une certaine manière. Rappelez-vous, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Dieu bénit Israël. Il dit tout ce que vous allez faire prospérera. Il parle des choses liées à la richesse. Il dit, tu seras béni dans les choses. Tu prospéreras dans la vie. Donc, il voulait dire simplement Israël. Peu importe l'endroit que tu vas te retrouver, la richesse va t'accompagner. Troisième de chose, on dit la richesse répond aux normes. Aux normes. Il y a des normes pour avoir la richesse. Il y a des normes pour conserver la richesse. Il ne suffit pas seulement de l'avoir, mais il faut avoir la richesse matérielle selon les normes établies par Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que par des jeux de hasard, il peut devenir riche. C'est un mensonge. Il y a d'autres qui essaient de devenir riches, avoir des biens matériels par les méthodes non conventionnelles. Je parle par exemple le vol, je parle la prostitution. Là, ce n'est pas la richesse, parce que demain après demain, vous allez regretter. Quatrième élément, la richesse est liée aux découvertes. On va y pencher à un moment donné. Cinquième, la richesse est liée à la personne que nous devenons. Nous avons parlé de la croissance, nous avons parlé de l'évolution, nous avons parlé de même du processus. Lorsqu'on dit la richesse est liée à la personne que nous devenons, bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer une chose qu'à des fois les gens disent. Non, avait-il beaucoup à zélo? Vous avez déjà entendu parler de ça? Beaucoup à zélo. Alléluia. Amen. Souvent, les gens parlent comme ça. Avait-il beaucoup à zélo? Et ceux qui disent ça, à des fois, ils n'arrivent pas à comprendre, ou soit ils ne connaissent pas à fond la personne qui a expérimenté certaines choses. Et sur le plan physique, partant de ceux qui voient, il dit qu'avait-il beaucoup à zélo? Bien-aimé, la richesse va mettre en rôle beaucoup la zélote. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est tout un processus. Le fait que la richesse soit spirituelle, la richesse vient en fonction de la personne que nous devenons. Sur le plan physique, les gens peuvent penser que tu as rien. Mais sur le plan spirituel, les choses ont déjà bougé. Et ils ne voient rien. Mais pendant que toi, tu as déjà une dimension où tu dois expérimenter des choses qu'elles ne voient pas. Est-ce que tu me comprends? Amen.
Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Tel que tu es là, Dieu t'a conçu dans l'éternité. Il t'a placé dans le temps. Il a mis l'espérance en toi pour rencontrer ton éternité. Alors, à l'éternité, Dieu avait déjà tout établi. Il sait comment est-ce que tu es appelé à évoluer. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu sois placé dans le monde de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Jérémie est-il prophète? Oui. Avant sa naissance, oui. Mais lorsqu'il est venu dans le monde, la dimension prophétique s'est manifestée ou non? Non. Est-ce que tu me comprends? Il fallait qu'il puisse évoluer d'une certaine manière. À un moment bien précis, cette dimension va commencer à se manifester. C'est exactement ce qui se passe avec la richesse. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut construire ton être intérieur afin que ton être intérieur soit conforme à la dimension qui te réclame que Dieu avait prévu pour toi. Et je fais comprendre. Amen. C'est-à-dire quoi? Tel que tu es là, si Dieu t'a appelé à être milliardaire, il faut que ton être intérieur puisse se conformer à la dimension éminente que Dieu t'appelle. C'est là, mais là, c'est un processus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les gens peuvent te voir comme ça. Ils disent que tu n'as encore rien. Mais pendant qu'au-dedans de toi, il y a des choses qui tentent d'être faites et que et ne voit pas. Les gens, ils vont voir la manifestation. Ils diront que Obedi Bakuna Zelo. Or, dans le monde spirituel intérieur, le monde avait déjà. Ton intérieur avait déjà atteint une dimension de milliards que le monde n'arrivait pas à percevoir. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est pourquoi vous remarquerez une personne qui se démarque des autres, puisque l'homme attribue toujours au diable tout ce qu'il ne comprend pas, on risque de vous coller des étiquettes qui ne vous correspondent pas. Pourquoi? Parce que l'homme n'arrive pas à comprendre comment tu as atteint cette dimension. Mais ce que les hommes oublient, dans ton être intérieur, ça bougeait déjà. Tu montais déjà. Et ils ne voyaient pas. Mais toi, tu montais. Et ils ne voyaient pas. Toi, tu montais. Ils ne voyaient pas. Toi, tu montais. Et du coup, ils ont mis la manifestation. Ils ont vu la manifestation. Ils se disent non. Ça, Abeti Bakuna Zelo. Non. Même pour l'Obeti di Bakuna Zelo, il faut que ton être intérieur soit conforme. Akoka. Alléluia. Amen. Sois conforme. Akokisama. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie si c'est bon. Ton être intérieur commence à croire et à posséder ces choses. Quand je vous ai ces jours-là, il m'arrête d'arriver à un moment dans la vie où je prenais tout plusieurs références et des livres liés à un domaine bien précis. Je lisais ces livres, je faisais ces déclarations. En vrai, j'étais en train de construire mon être intérieur. Je voulais que mon esprit, mon âme, arrive à accepter ces choses. C'est comme David qui dit, mon âme, il dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire, au-dedans de lui, il est tellement convaincu que des choses dites par le Seigneur vont s'accomplir. Peu importe des réalités qu'il vit, ces choses ne pourront pas les détruire. C'est exactement ce que tu dois voir. Bien-aimé, si ton être intérieur n'est pas encore boosté, tu seras limité et tu vivras des choses en fonction de ce que tu vois et en fonction de ce qui se passe dans ton pays. Oh Dieu, t'as créé dans l'éternité. Le pays, ça marche ou pas, cela ne te conditionne pas à échouer. Parce que toi, au-dedans de toi, il y a la vie de Dieu qui coule. Et c'est cette vie-là que tu as appelée à construire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est là que je dis la richesse est liée dans, à un processus. Les gens ne voient pas ce que tu deviens. Mais Dieu voit. Pourquoi posez-vous la question? Dieu vient vers Gédéon. Il dit, pas avec cette porte que tu as fait un héros. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait imposer à Gédéon cet esprit de vaillance. Alors pour que Gédéon commence à se voir à la manière dont Dieu comme étant un vaillant, il devait recevoir une parole de la part de Dieu. Et je fais comprendre. Amen. Et cette parole a boosté son esprit. Et du coup, ça a commencé à l'agiter d'une certaine manière. David était
de Zaroua avant qu'il vienne au trône. Les jours où il a été roi, il a déjà été établi roi. Et je me fais comprendre. Maintenant, il fallait que David puisse apprendre comment les rois se comportent, puisse comprendre l'art de la guerre, puisse comprendre comment diriger. Alors Dieu l'a placé dans un processus. Et ce processus avait comme objectif enseigner à David l'art de la guerre, enseigner à David le valeur royale, enseigner à David comment se comporter étant roi. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es un Dieu, a un projet sur toi. Il y a certaines choses qui peuvent sembler prendre du temps. Mais ce n'est pas du temps. Alléluia. Amen. C'est un processus dans lequel Dieu t'a placé afin de te former. Et dans ce processus, Dieu prend soin d'éduquer notre être intérieur. C'est ce qui lui intéresse. Je parle de notre être intérieur. Parce que notre être intérieur est l'élément déterminant. Notre être intérieur. Dieu ne peut pas permettre qu'il te donne des choses et par après regretter. Il tient à ce que tu sois réellement un modèle. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. La richesse fait partie d'un processus. C'est pourquoi il faut indiquer ton être intérieur. Les enseignements que je donne ici, c'est pour que ton cœur se dispose. Ton être intérieur se dispose. Alléluia. Que les réalités présentes ne te défient plus. Ne définissent plus ce que tu es. Mais que tu arrives à comprendre qu'il y a quelque chose en toi que tu as appelé à bâtir. Et plus tu bâtis la chose là, plus tu te rapproches de ce que Dieu a prévu pour toi. Alors la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous les corps. Comme prospère l'état de ton âme. Processus. Est-ce que tu me comprends? Amen. Processus. Je parlais que la richesse est liée aux relations. On en parlera encore plus tard. La richesse est liée à quoi encore? J'ai dit, la richesse est liée aux alliances. Là, je vais m'établir sur ça dans les jours qui viennent. La richesse est liée au cœur. La richesse est liée à l'identité. La richesse est liée au sacrifice. La richesse est liée à la discipline. La richesse est liée au service. La richesse est liée à la découverte. Je m'attelle par là. Découverte là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Vous remarquerez que tout ce que j'ai énuméré, nulle part je parlais de l'intelligence acquise à l'université ou à l'école d'une certaine manière. Mais j'ai parlé de découvertes, j'ai parlé des relations, j'ai parlé de la spiritualité, j'ai parlé du don. Pour dire que tout ce que tu peux posséder, c'est qu'il y a Dieu, il y a quelqu'un qui a mis sa tête. Je parlais des relations pour te dire que tel que tu es là, tu deviendras la personne que tu as appelé à être, si seulement tu as traité de très bonnes relations avec les autres. Et je fais comprendre. Amen. Et quand je parlais des relations, j'ai insisté en disant il y a des relations supérieure, inférieure, des relations égales et des relations inférieures, supérieures. Alléluia. Amen. Et quand j'expliquais ces choses, je parlais des relations racines, relations tronc, relations étape et relations feuilles. J'ai expliqué cela. Mais lorsque vous lisez dans cette dimension des relations, vous trouverez dans le cas d'Ozias, la Bible dit Ozias est devenu roi à l'âge de 16 ans. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant le règne de Zacharie. Il avait l'intelligence de Dieu. Et lorsqu'il s'appliqua comme ça, Dieu le fit prospérer. C'est-à-dire quoi? La relation d'Ozias avec Zacharie a fait prospérer Ozias. La volonté c'était quoi? Ozias avait les...
Zacharie avait l'intelligence de vision. C'est-à-dire, il mettait ses visions à la disposition d'Ozias. Ozias appliquait. Il appliquait les contenus de ses visions. Et ce qui fait que Ozias puisse prospérer. Et je fais comprendre. Amen. Et quand vous lisez la vie d'Ozias plus loin, quand Zacharie est mort, c'est alors que Ozias a commis les irrégularités. Donc la vie. Bon, pour prospérer, il faut avoir aussi des gens qui sont supérieurs. Et si on des gens auprès de qui tu peux rendre compte. Des gens qui peuvent te canaliser. Qui peuvent te canaliser. Des gens qui peuvent te dire voilà comment tu vas évoluer. Lorsque vous lisez l'histoire de toutes ces personnes riches d'une certaine manière, vous remarquerez que ces gens-là, la plupart des cas, il y avait des gens pour les orienter. D'une certaine manière, ou une personne auprès de qui on rendait compte. Et je fais comprendre. Amen. Je saute. Deuxième dimension égale. Lorsque David a perdu la royauté, vous remarquez que la personne qui a travaillé pour que David puisse retrouver sa royauté, c'est l'un de ses amis que je parlais autrefois. Les relations égaux nous aident d'une certaine manière, mais je parle de vraies relations et non pas de fausses. Des relations égales, les personnes auprès de qui tu peux étaler tout ce qui se passe dans ton cœur. Voilà ce qui se passe dans mon cœur. Voilà tout ça. Et ça nous aide. Et son rabisopé. Le cas de David. Daïsada, il se sentait déjà faible. Il a parlé à ses amis. Et la solution a été trouvée. Inférieur, je parlais des cas de cet homme qui était lépreux. Et cette servante a dit, si mon Seigneur était auprès de mon Seigneur, le prophète. Et la solution a été trouvée. Et toujours dans le même cas, vous trouverez le cas de Saoul. Saoul, lorsqu'il est allé chercher des agneaux et qu'il était pitié à une difficulté, qu'est-ce qui va se passer? Il fallait que l'un de ses collaborateurs, serviteur de son état, lui s'est proposé à Saoul d'aller voir le voyant. Et Saoul lui dit ceci: on ne se présentera pas devant nous de Dieu de ma vie. Et c'est le serviteur qui a présenté l'offrande. Alléluia. Amen. C'est le serviteur qui a présenté l'offrande. Mais le trône ou la royauté a été décidé pour Saoul. Mais qui a présenté des éléments qui ont permis à Saoul de voir les voyants ou les prophètes? C'est le serviteur et l'inférieur. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin seulement d'avoir des gens qui sont dans la même dimension que toi ou des personnes supérieures, mais tu as appelé à avoir aussi des personnes qui sont inférieures à toi, mais qui peuvent t'aider à accomplir des choses qui sont liées à ta destinée. Imagine-toi ces jours-là, il n'y avait pas ces serviteurs. Mais il faut aussi écouter les gens avec qui vous vivez. Cet homme, Saoul, non seulement il a écouté les serviteurs, ils ont eu le temps de s'échanger, et le serviteur a présenté l'offrande. Bien-aimé, dans la vie, il y a des gens qui vont payer le prix pour vous. C'est pourquoi il faut avoir être bien entouré. Le prix, celui qui l'a payé, c'est le serviteur. Saoul n'avait même pas de direction. Alléluia. Amen. Il n'avait pas de direction. Qu'on se le dise. Il ne savait pas quoi faire. Les années, on ne les retrouve pas. On doit rentrer. Peut-être papa s'inquiète déjà. Il dit non, on doit voir les voyants. Ça vient d'où? Ces conseils d'un serviteur. Mais il n'y a pas d'offrande. Il présente l'offrande. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es auprès de quelqu'un, qu'il soit ton supérieur ou ton inférieur. Je parle des cas de supérieur. Il faut payer le prix pour cette personne. Est-ce que pensez-vous qu'une fois, Saoul roi, ses serviteurs, on l'a laissé comme ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça se passe. À des fois, il faut payer le prix pour l'autre. Quand il montera, il t'attirera. Mais si tu ne vois que toi, et que tu ne vois que toi, et que toi, tu es le sang de la terre, tu vas passer à côté de ta richesse. Est-ce que tu
chrétien me comprend. Accepter des fois de perdre pour faire la joie de l'autre. Accepter de se sacrifier pour que celui qui est devant toi monte. Quand il montera, il t'attirera. Prenons un exemple concret pour les chefs de l'État. On parle de ses amis. Alléluia. Amen. Mais la plupart des cas, il vivait avec eux, ils étaient au bas de l'échelle. Alléluia. Amen. On parlait d'un gouverneur de Kinshasa à l'époque. On disait qu'il travaillait avec qui ses amis. Et ses serviteurs. Certains de ses serviteurs ont occupé des fonctions très élevées. Mais ce sont les mêmes personnes qu'il était avec eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans la vie, il ne faut pas seulement voir toi comme étant le Seigneur. Par moment, il faut accepter de perdre. Mais ce qui est à ta disposition, au service de l'autre, de ton supérieur, ton intelligence, ta sagesse, tes moyens financiers, mets à sa disposition. Quand il montera, il t'attirera. Je vous dis, je me rappelle, papa Bandi, à l'époque où je travaillais, il m'arrivait ma femme et la même conseillère. Au début, c'était compliqué. Il y a des jours où je rentrais à 0h. Il y a des jours où j'étais dans certains cabinets où les bêtas. Je n'avais pas de véhicule. Mais il faut suivre un dossier. Alléluia. Amen. Mais quand ça commençait à couler, celui qui était mon chef direct, c'est-à-dire, voilà comment il se disait. Dit, moi, je suis le Dieu de père, toi, tu es le Dieu de fils. Partout, moi, je mets mon nez, toi, sois-le. Alléluia. Amen. Et à chaque fois que les gens venaient, mais pourquoi tu les fais confiance? Il n'est pas de... Vous comprenez la suite. Et c'était difficile qu'il écoute. Toutes ces personnes qui faisaient des bêtises. Voyez-vous? Mettez au service de celui qui est devant toi. Ton énergie. Sacrifie-toi pour toi. Imagine-toi lorsqu'il a donné ce pain-là. Est-ce que cette offrande, mais son chef est devenu roi. Les conseils qu'il a donné à son chef émanent de quoi? De l'intelligence, la réflexion. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Même le cas de Naaman. Attends, Naaman. C'est lui qui a persuadé Naaman en disant, c'est que le prophète te demande, c'est pas difficile. Va seulement te jeter. C'était quelqu'un qui était inférieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, mon père me disait à l'époque, il m'expliquait quelque chose. Il me dit, tu sais, ton papa tel, il a perdu son travail à cause de telle chose. Alors, il me donnait tellement de conseils. Il y a un conseil que je ne peux jamais oublier, mon père m'a dit, pas si ils allaient où ils étaient, ceux qui arrivent au Sombaté. Il voulait me dire simplement que travaille, fais en sorte que tu puisses avoir une position ou de la valeur. Après quoi, tu pourrais faire les choses. Et il m'a dit, fais un effort. Quand tu es au service, même ma portier, alléluia, ma sentinelle, ma combola. Il faut entretenir de très bonnes relations. Parce que ces gens-là peuvent te donner des informations qui peuvent changer d'avis. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé des secrets de ta vie. C'est un peu inférieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les relations. C'est très important. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, vous pouvez lire 2 Samuel 15, 32 à 37. On parle de l'amour de David à ses concerts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième pour aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est sur un quantième par rapport à ce que vous avez commencé. La richesse est liée au service. Au service. Moussala.
Vous remarquerez les passages que j'ai lus tantôt là. Ce sont des passages qui parlent d'une certaine manière de la diligence. Des passages qui parlent d'une certaine manière comme si du travail. Parce que la Bible dit, Dieu plaça Adam et Ève dans les jardins pour cultiver et garder. Ils doivent cultiver et garder. C'est là, vous avez compris qu'on a parlé de la semence d'une certaine manière. Dieu parle. Tous les arbres portant naissent à ses mains. Mais ici, il dit cultiver et garder. Et on arrive dans le Proverbe, on dit si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. L'habilité. Casa. Deux éléments d'abord. Biloko mibale. Première des choses. Toka yambo. Les personnes obscures. Bato mulili. Ce sont des personnes qui ne sont pas connues. Eza bato yo baza. Ce ne sont pas des stars. Bato ba yebanité. Par contre. Koutou. Les grands, ce sont des stars. Bo bato mama eza bato ba yebana. Ce sont des lumières. Baza ba polé. Ils brillent d'une certaine manière. Bako ngala lenge moko boye. Et je fais comprendre. Amen. Mais la Bible dit ceci, oyo, pour que tu puisses retrouver peut-être ta place Nesika, dans la dimension de roi akumu, ou dans la dimension de personnes célèbres, dans la dimension melo, ou dans la catégorie tenia, de personnes yo, célèbres ou des stars, yebana, la condition c'est l'habilité. Eza, la kasa. Être habile, la kasa. C'est très important. Eza, motuya. Être habile, la kasa. C'est très important. On ajoute encore quelque chose. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbe ajoute encore. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait la honte. Bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie, atteindre une dimension supérieure. Pourquoi on est plus mieux le tombeau ami? Vous devez comprendre. C'est quoi le sens là? Dans la loi des semailles et moissons. Et ça, mobile quoi pour boucler le colonne. Existe une semence qu'on appelle service. Pour ça là. Dites après, dites à ton voisin service. Le bon amateur premier n'a service. Dites-le bien service. Le bon malam. Service. J'ai quitté la dimension du travail pour parler d'une dimension qui est classique. Déjà au Congo, dans la dimension classique, peu de gens accèdent à cela. Mais le monde tel qu'il est constitué, vous vous rendez compte que le monde est constitué de problèmes, ce que les gens appellent des problèmes. Mais pour nous, les filles des lumières, le monde est constitué d'opportunités. Alléluia. Amen. D'opportunités. Et ces opportunités constituent des problèmes pour certaines personnes. Mais ceux qui ont les yeux pour voir, ils comprennent que ce ne sont pas des problèmes, mais que ce sont des opportunités. Or, un problème, à des fois, ça fait mal. Et ça pas si. Alléluia. Amen. Mais une opportunité, on l'exploite. Bah, ça, et quand on l'exploite, c'est alors qu'on a les dividendes liés à ça. Et je fais comprendre. Amen. Le monde est plein d'opportunités. Bien-aimés, j'ai commis une grosse erreur de ma vie. Papa, c'est là qu'il m'a à l'époque, on habitait avec le pasteur Eli et papa Narli. On l'a réussi en vieux. Qui venait de l'Angola, qui faisait les stages avec, je crois, le dernier stage avec le pasteur Eli. Ah, maintenant, c'est un stage de papa Eli. C'était en 2011. Vous avez dit que vous l'avez 2011. 2011, son dernier année de doctorat. Vous l'avez dit que le vieux vient avec une machine. Quand on voit une machine, Moko? De car wash ici. Comment l'appelle ça? Parce que vous Joe, ta machine là, comment l'appelle ça? Où est-ce que vous toi? Bon, c'est ça en fait. Et c'était. Dans cette machine, on avait incorporé même le groupe. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de chercher un groupe. On a besoin de groupe. Voyez-vous? Omoni. Eli vient avec. Belle nango. Alors, sa pensée c'était devant. Mais dis-moi. Tu peux prendre
Comme ça, on crée ces carrosses. Mais les pommes, c'était quoi? À cette époque, j'étais encore piéton. Alors, je ne savais pas la valeur réelle de la chose qui était à ma disposition. Voyez-vous? Et je n'avais aussi personne pour me conseiller. Et à cette époque-là, ces histoires se répandaient dans nos boîtiers. Et j'habitais mon vin dans cette grande avenue. Il y avait toujours un moyen de les placer dans un coin. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la chose. On a donné à vie. Au Sango. Il a pris sa quille en Angola parce qu'il venait de l'Angola. Alléluia. Amen. Et plus les années ont passé, dans les rênes à Salaka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Or, Bongo. À Kinshasa, les routes c'est compliqué. Soit il y a la poussière, soit il y a la boue. Alléluia. Amen. D'une certaine manière. C'est-à-dire avoir cette machine-là, la machine là, elle a apporté beaucoup. Mais par manque d'idées, par manque des idées, on va revenir sur ça. Et j'ai raté cette opportunité. Alléluia. Amen. Le problème était là. Le mal c'était quoi en fait? J'ai reçu la solution pendant que j'avais pas ciblé les problèmes. Si j'avais déjà ciblé les problèmes et que la solution venait après, j'allais valoriser ça. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais le fait que j'ai reçu une solution, mais en aucun cas, je me suis mis pour réfléchir sur la chose. Et c'est passé à côté. Amen, amen. Amen. Aussi, je crois à cette époque, je voyais seulement, bon, je travaille. Chaque matin, il y a un bus, le service qui vient me prendre. Et je ne me suis pas pensé à ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les services. Moussala. Les services. Moussala. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu arrives sur Okomi, à répondre aux besoins des autres. C'est alors que toi aussi tu vas avancer. Et si tu ne réponds pas aux besoins des autres, il te sera difficile d'une certaine manière. Est-ce que tu me comprends? Amen. On ne devient pas riche avec ton salaire. Rabbi Shadrach. Rabbi Shadrach. On ne devient pas riche en politique. En politique. Alléluia. Amen. Parce que ce sont l'argent des contribuables et le Alléluia. Amen. On ne devient pas riche dans la, avec l'argent des contribuables. Non. C'est pourquoi je dis la richesse répond au nom. La richesse, on la cultive. Au-delà de ton travail, trouve-toi des services que tu peux rendre aux autres. Et cela t'apportera. S'il faut attendre que tu termines tes études pour commencer à faire quelque chose, bien aimé, tu es déjà perdant. Parce que vous allez voir, je n'ai même pas parlé des études. Tu es perdante. Apprends à faire quelque chose. Et cela t'apportera beaucoup. Il y a beaucoup d'opportunités. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'opportunités. La Bible dit quelque chose de très important. Et si vous avez le manger et le boire, c'est là vous. Yango. Christ, il est tellement merveilleux. Cela veut dire quoi, mes frères? Lorsque vous observez le monde, vous allez vous rendre compte des choses. Alléluia. Amen. Et tout là, peu importe la personne qui le fait. Je vous dis, les habits là, chaque jour on s'habille. N'est-ce pas? Après un temps avec d'autres qui m'ont ici, on sentit la même, mais il faut la somme. Cette semaine, tu étais les jeunes. On mange normalement, n'est-ce pas? De lire à boire. Au service, tu attends que on soit pas pour maman à la maison. Maman à la service. Grâce à la poutée.
Alléluia. Amen. Vous comprenez? Alors, imagine toi, tu fais ces mal et malheurs ici. Banjo sali malheurs awa. Combien ça peut te rapporter? Bon, bon, comme il m'a dit. Il va ouvrir un peu, il va ouvrir un peu, il va tourner, il va monter là-bas, il va Mercedes là-bas. Voyez-vous? Omoni. Mais tu n'as si boule. Combien tu auras? Rosa Boni. Si toi, tu ne sais pas être pauvre, prends des gens. Quand par exemple, tout le monde qui est la pierre là. Et c'est comme ça que vous allez venir. Ndeboye. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut voir les opportunités. Il faut lire les opportunités. Et c'est le temps à ma baku malam. Il faut lire les opportunités. Et c'est le temps à ma baku malam. En vrai dire, ya solo, les problèmes des autres li kamba misusu, sont des opportunités pour toi. Et ça ma baku malam pour na yo. Mais à leur disposition de solutions. Tu n'es pas na bango. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On est tellement accro sur Facebook. Facebook. Pour regarder quoi? Tout à la nini. Joe, pour regarder quoi? Bah, j'ai appelé tout à la nini. Je vois ton frère a déjà la réponse. Pour regarder quoi? Pour tout à la nini. Bien aimé dans le Seigneur. Je le dis tout. Ma mère est là. Comme papa, mon père a perdu son travail. À un moment donné, ma mère a, elle est vraiment montée dans les affaires parce qu'elle est devenue distributeur de produits ici. Alléluia. Amen. Mais après, ma pillage encore, qu'est-ce qu'elle fait? C'était des maléwa. Voyez-vous? Il faut savoir localiser l'opportunité. J'arrive dans une conférence FANAF. Papa, comme il s'est conférence, c'était au grand hôtel au niveau du chapiteau. C'était maintenant l'ouverture en fait, parce que la conférence est passée au niveau du palais du peuple. Mais l'ouverture c'était au niveau du grand hôtel. Il y avait plusieurs expatriés, tout ça. Il y avait beaucoup de gens, les autorités, les ministres. Bah, en fait, il y avait. Sentait vraiment que. Ozo Kapenza, hein? Aux appels, c'était un dimanche bien là. Le mingo mon quoi, non? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était debout, c'est là. Je rencontre un homme qui vient de un pays vers la Birmanie là-bas. Tu pour la première fois, on a l'impression qu'on va guarder quelque chose comme ça. Mais le bout de la carte à PCNA, il me dit: oh, ici, la ville de Kinshasa, oh, la ville de Kinshasa, c'est pas pendant qu'on s'est changé. Il me dit, son pays a plus ou moins 3 millions d'habitants. Je pense que c'est un pays. Alléluia. Amen. Moi, je dis, waouh. Mais Kinshasa, présentement, a plus de 12 millions d'habitants. Il y a même certaines personnes qui disent 15 millions d'habitants. Le monsieur a sursauté. Waouh, 15 millions. Vous, 15 millions de Congolais, voyez ça comme un problème. Mais lui, 15 millions pour Kinshasa. C'est une opportunité. Il dit, mon frère, j'ai souffert pour avoir le visa de Congo. Mais 15 millions. Imaginez aussi, j'arrive à voir 1 million. Non, c'est parce que c'est un courtier. Il dit, en fait, il travaille dans une entreprise de courtier. Il dit combien de véhicules a dit mon frère? Chaque jour des véhicules entrent dans cette nation. Chaque jour, je n'ai pas de statistiques. Là, il faut aller à l'INES. Mais chaque jour. Voyez-vous? Amen. Lui, il voit ça comme opportunité. Mais nous, on voit ça comme un problème. C'est là que je dis souvent ceux qui nous dirigent. Certains. On sait qui ont l'argent. Pas un problème. On en parlera. CMJ. Quand vous avez 15 millions d'habitants, donc même si tu achètes 50 hectares à Mongafou, tu construis des maisons. Voyez-vous? Simplement que tu peux négocier avec le gouvernement. Non, tu as train souterrain. On a vu ça en Europe. Très bon, même pas l'Europe ici à Brazzaville quand j'étais à Pointe-Noire. À l'époque, on a quitté Brazzaville pour Pointe-Noire.
donc Brazzaville qui est la pointe noire. Et les calassés à montagne, on a fait 7 km, il a assez à Mabélé. Mais l'hôtel était de plus de 30 mètres parce que c'était une montagne à Moulaï Makas. La qui m'a pensé à Moulaï. Tout le qui l'a assez. Est-ce que qui me comprend? Amen. Bien aimé. Dans ton environnement, localise quelles sont les opportunités qui s'offrent à toi. Alléluia. Amen. À des fois, on dit Bali. Adar a commencé comment? Adar a bandé. C'était un chariot qui s'est pointé là-bas. Je parle des chariots. Nous, à l'époque, quand cette histoire a commencé, c'était un chariot. Je parle d'un chariot. Papa, ça va pousser. Voyez-vous? Amen. On vendait des gâteaux devant un chariot. Un gâteau. Et ma mère, c'est la conscience de ma maman, le fait qu'il habitait Gombe, je fréquentais souvent là-bas. C'était un chariot. Et ça qui pousse. Mais aujourd'hui, Lélo? Ils ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions. Bah, ça, qui... Des 10 000 dollars le jour. Bah, ça, et puis vous allez du nord des Libanais, bah, Indien, il vient nous envahir. Non. Le problème à des fois, c'est le manque de courage. Et donc, pour alléluia. Amen. Prenons les cas comme Jephté, parce qu'on les célèbre toujours. Lorsqu'il a été chassé par ses frères, en disant tu ne retiendras pas avec nous, qu'est-ce qu'il est allé faire? La Bible dit, Jephté a commencé à faire quoi? Il est allé étudier. Amen. C'est ça, non? Il a commencé à faire des coups de main. Et ce sont ces coups de main qui a fait en sorte qu'on ait des coups, on dit, viens régner sur nous. Il y a un condamné qu'on a mis. Est-ce que tu me comprends? Bien aimé. Bali, ami. À la loi et au témoignage. Non, si on ne parle pas ici, on n'aura pas de mort. On continuera à pleurnicher. Moko. Pendant que les autres avancent. Ouais, vous voyez, ce monsieur me dit, j'ai souffert pour avoir les visas. Et même au Pâques, on soit arrivé au palais du peuple. Pendant que je parlais avec ces Indiens, les Mauritaniens, tous, ils vous disent, vous avez un pays merveilleux. Vous avez un qui tourne. Bon, bah, tu qui m'a la développé. Bon, oui, c'est un pays merveilleux. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu as fait aux Congolais? Pas qu'il y ait un mis sous ton nid. Alléluia. Amen. Il y a plus d'opportunités et il faut être encouragé. Mais c'est quoi ça, la casse à casse? J'arrive à Loufou, je crois, le mois passé, c'est le mois précédent ici. Pendant qu'ils avançaient. Pendant qu'ils avançaient. Mon tout monde n'a pas été l'ennemi. Ils ont oh boss, t'as la boue. J'ai le monde en Qatar en ce qui n'a joué. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en non, boss, dans le chantier là, boucard à la maison, la bisseau, dans mon lait que moi, on voit la guicha, c'est exalté. Alors, dans le cas, là, il n'y a pas la haine, dans ce salon, là, la loufou, dans le salon, là, la gare. N'a pas m'appelé, n'a pas client. Vous comprenez? Mais à l'époque, c'était d'abord un jouet. Et je parie d'un courage à Zen, on a pété ça, paye ma palais. Or, nous faisons, on s'est développé, parce que, hôtel, les obotam, ma construction, ma carte. Ici, les gars, ils pèsent. Et l'on reste dans un courant. Est-ce que qui me comprend? Localise mon ma problème à Batou et rend service à ces gens. Ça l'est là, Bangoum, ça là. Rend service à ces gens. Dernier élément pour aujourd'hui. Et le quoi, c'est pour l'élo? La richesse Bozui est liée et Kangami aux découvertes. Naboso Soli. C'est un peu associé. Et ça, qu'on s'en a. La richesse Bozui est liée aux découvertes. La Bible dit, Genèse 26:20, les bergers de Gérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est en nous. Et il donna au puits le nom que vous avez lu là. Parce qu'ils étaient disputés avec lui. 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits
au sujet duquel on chercha aussi querelle. Babena les sous. Et puis il va encore criser. Et la Bible dit, Bielobi, pour cette fois-ci là, Nambalana, ils ne vont pas chercher querelle. Bah, et ils vont donner le nom de Rehoboth. Rehoboth. En disant, Dieu nous a mis au large. La richesse Bozui est liée au, et gangami, au découvert. Nambososol. Est-ce que tu peux dire à ça, ton frère? La richesse est liée aux découvertes. Aux découvertes. La richesse est liée aux découvertes. Aux découvertes. Il y a un problème. Ils sont dans le désert. Personne ne prend l'initiative de creuser. Lui, il va creuser. Il va trouver de l'eau vive. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi là, tu as déjà Dieu. Quand tu te déplaces, c'est Dieu qui se déplace. Alléluia. Amen. C'est-à-dire une petite effort de réflexion et d'observation. Tu vas découvrir des choses. La richesse est liée aux découvertes. Les sept est là. Nous étions avec les sept au Manema Kalima. Avant que j'arrive à Kalima, à Kailo. Il y a ma papa comme à Kailo. Je trouve, pendant que ces jeunes gens m'accompagnaient sur la moto, on arrive sur la rivière là avant d'entrer là où maman est en moto. Il me dit, chef, et si on avait creusé la famille là, ces jeunes là ont reçu autant de kilos d'or. C'est ma balabala. Je dis bien la balabala. Vous comprenez? Donc quand tu marches comme ça, quand on tombe la boue, Bilonios pour les galas, ma pauvre. Mais oui, Asseigne, à Timoli a découvert et a payé Bakar. Malheureusement, on est avec qui Katinae et a tendu notre dimension à richesse. Parce qu'il y a qui. Est-ce que qui me comprend? Les hommes de l'eau sont là. Ça dit, ma belle, autant pour la vie, son union sont normales. Mon kilo, mais son union sont vivre normal. Mais il y a des gens qui découvrent. Les hommes de l'eau sont là. Ils disent, oui, ça va bouquer. Amen, amen. Amen. Et cette découverte peut être juste une simple idée. Juste une idée peut carrément changer ta vie. La richesse est liée aux découvertes. Lorsque Isaac a creusé, il a trouvé de l'eau vive. C'était fini. Et si là qui? Si tu as fait normal, il a dit qu'il a semé. Mais il a récolté à Bouki et s'en alla à sa richesse. À qui n'a pas voulu quoi? Jusqu'à devenir fort, Mosui, Yamakas, découvert. Bosso Soli, découvert des idées. Bosso Soli Yamakanisi, découvert. Bosso Soli, des opportunités. Yamabaku Malamu, découvert de personnes. Bosso Soli Abato, découvert des endroits. Bosso Soli Abisika. Il y a un gars qui n'aime beaucoup trop. Un jour dans ma circonstance, mais on découvrir. Après, on va se sauver. Tu es bien, la clarté. Il y a un bon moment, on va se rendre à ton ancien. Tu vas revenir dans l'alimenté résidentiel. Et puis, dans l'alimenté résidentiel, double parcelle. Avant, tu vas se faire. C'est grâce à Nini, Aïbaka. Tu es Aïbaka. Et ça, des découvertes. Alléluia. Amen. Parce que je sais que j'habiterai dans des maisons pareilles. Papa, il va te refaire la bande à Kaboué. Alléluia. Aux gens, ce n'est pas comme je suis là d'abord pour faire entrer la voiture. Là, tu as des difficultés, tout ça, tout ça. Boué, boué. Bah, tiens, il y a un mot, il n'y a pas d'air. Mais comment vous pensez là, un mot, il y a un mot qui est là. Un mot, bah, tiens, on va mettre ça. Voyez-vous? Au moni. Et on va te vendre les livres au soir, tu ne sais pas comment sortir. Et puis, on va lire au téléphone. Vous comprenez? On se soit dit. Mais là, quand je vais lui mettre une grande parcelle, on se mettait le pont en moulin. Quand j'entre directement, on a continué à faire. On a bicyclé les Seigneurs. Quand je sors, il n'y a pas des gens qui seront là. Je vais prendre sa montre, résonner à la balabala, on a ma canne, on peut sa montre, c'est ça là. Et si ma tête est au sol, mais ça, on est au sol, le pont là. Découverte. Et pour découvrir, il faut réfléchir. Et c'est le canis. Alléluia. Amen.
Il faut réfléchir. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses. Le bonheur. Trouve le bonheur. J'ai l'impression que les problèmes des Congolais, à des fois, c'est la réflexion. La colonisation continue à faire des ravages dans le chef des Congolais. Bien aimé dans le Seigneur. Offrons le bon à l'ingala. Na komi na mboka moboye en plein ville. Bana na muli babilanga. Je dis bien en plein ville babilanga. Mais bato bazolo bana biso babilanga na biso sa yo awa. Oh pollution bolia ya ngote. Hein? Pour la mitouka. Mais baron ba premier pollueur. Vous comprenez? C'est là où il y a plus d'usines. Kulende ba usines ezebele. Na mati na na batra en grande vitesse wana. Ko bana ville on azalaki. Si pas la comme qui la Rochelle. Si il y a pas élevage babilanga. So ba boko la banyama te. Et des villes c'était tout près la bilanga là-bas. Mais vous me dites qui peine peine là-bas. Dans l'entrée qui commence à entrer. Alléluia. Amen. Ce qui nous a goûté ma titi. Amen, amen. Amen. Tu comme la maniema. Tu traverses Kindu pour Alungouli. La ville de. En fait, dans la commune, il y a Alungouli. Tu arrives là. C'est Tiginéza. Après, il y a un peu de bande. Après, il y a un peu de bande. Ma titi, Bazamba. Alléluia. Amen. Bazamba. Mais vous allez voir quelqu'un de ces coins-là. Prend un avion, il achète des pains. À Kinshasa. Ah, on peut s'abattre. Pas il va nous aider, Zali. Vous imaginez, en fait. Vous avez dit ça. Si on va ta quoi, on s'en a barré, on va nous aider. Après, on va nous aider. On va nous aider, Zali, on va nous aider. On va nous aider, on va nous aider. On va nous aider, Kinshasa. Alléluia. Les idées. Découvrir. Découvrir. Découvrir localisation. Il a dit, Alomi. Maintenant là, ça nous allons prospérer. Quand tu découvres, à des fois les gens peuvent créer querelle. Parce qu'ils savent que ta découverte fera ta force, te fera prospérer. Mais ne lâche pas. Continue à découvrir. Dans le monde où tu es allé, il y a beaucoup de gens qui prospèrent avec les idées des autres. Parce qu'ils volent. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas citer les noms de plusieurs personnes. Ils volent les idées des autres. Mais toi, tu as Dieu. Tu peux encore trouver d'autres idées. Et avancer. Alléluia. Amen. Je parle de découvertes. Dans tout ce que nous regardons, nous pouvons trouver des éléments qui peuvent faire notre force. Amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qu'on critique. Ah, tout le monde m'a belé. Voilà depuis ma colo. Et la rawana. Bata mongo ba se siceda. Bati konga wana. Yi aye naye. A tel point. Ma belé, c'est qui tout. Ati ba bleu onaye. Bomo créé ba problème. Est-ce que faut-il naye? Faut être prudent. J'arrive dans un coin. Je devais acheter. J'étais en négociation pour acheter une concession là. Mais là, les rares que j'ai fait, c'était quoi? J'avais confiance à l'acheteur. Quand j'arrive, j'ai découvert ma mabanga. La soupe mabanga la tient la sac qui n'engage. Voyez-vous? Dans ta maman, la zuba banga wana la tse la sac la ngaye. Pour lui, c'est dérangé déjà. Et tout le monde a tout mis ça. Tu sais qu'il y a plus mélanger en ce moment. Non, tu sais, je peux mettre un garage parce que tu es là. Tout ça, tout ça. Et j'appelle mon oncle paternel. Je vais t'en montrer. Des fois, quand on découvre certaines idées,
On peut se cacher. Sous un mécanisme, sous quoi on l'applique. Peu tiens on a mis ça là. Alléluia. Amen. Les découvertes. Bosso soli. Les découvertes. Bosso soli. Ça peut être un millier. Et quoi ça là? Ça peut être des idées. Quoi ça la mécanisme? Ça peut être quelqu'un. Quoi ça la mutu? Ça peut être une opportunité. Et quoi ça libaku mo quoi malam? Et cette opportunité. Peu libaku ngo. Fera ta fierté, ta force. Et quoi ça le coup nous peut mécaniser là? Mettons le temps dans la prière. Tongi mutu ne peut pas rebondir là. Bienvenue dans le Seigneur. Balegat nakolo. J'aimerais que tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Dans Genèse 37, la Bible nous présente comment est-ce que Jacob a découvert une branche. Et à chaque fois qu'il mettait ces branches-là, et tous les animaux qui passaient à côté, soit bon, à la cacheté, soit rayés. Et c'est ce qui a fait la fortune de Jacob. Si Jacob n'avait pas découvert ça, Laban allait lui rendre le maire. Mais cette découverte a changé la vie de Jacob. J'aimerais que tu parles à Dieu. Dieu, j'ai besoin de partant de tous les aimants que nous avons évoqués, on peut prier. Tout bon de là, est-ce que tu peux te lever là-dessus? Parle à Dieu. 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 Quand les mains sont paresseuses, la champagne s'affaire. L'Éternel a décrété que les mains m'entourent, Dieu, la puissance pour mon épanouissement. La maison a décrété. D'ouvrir éternel mes yeux, à lire éternel mes éléments autres mondes, à lire éternel d'autres dieux, mon environnement autre monde, enfin que je Dieu trouve, mon Seigneur. Oh, c'est donc pour éternel, je peux faire quelque chose et en profiter. Quel domaine je peux manifester ta gloire, mon Dieu tout puissant. Je te prie, Seigneur, quittez les murmures. Je te prie, Père éternel. Les murmures amènent que de murs. Ouvre les yeux de mon cœur et accorde-moi le courage que possible, Seigneur. Enfin que je. J'agisse, Dieu tout puissant, que je puisse réaliser. Et Dieu te fera grâce. Et Dieu. De Genèse 26.
À partir de verset 24, ben, t'as tout ben, la mine. La Bible dit, Yélobi, vers 23, il remonta de là à Beth-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Tu as déjà l'assurance, Dieu te dit, ne crains point, car il est avec toi. Et Dieu ajoute encore tes concernants, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Isaac a une promesse de la bénédiction de la multiplication. Isaac a donné la caille à cause de son père Abraham. À cause de son père Abraham. Mais j'aimerais te dire, toi tu as la promesse de la bénédiction, de la multiplication, de la gloire à cause de Jésus. Parce que la Bible dit, nous sommes bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. C'est ce qui nous confère cette bénédiction. Et je continue. La Bible dit, Isaac, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Waouh! Il a bâti un autel, il a invoqué l'Éternel, il a dressé sa tente, et ses serviteurs ont creusé un puits. Il a commencé d'abord par bâtir un autel, après il a invoqué l'Éternel, après il a dressé sa tente, et après, ses serviteurs ont créé. Bien-aimé, la sécurité est dans le surnaturel. Lorsque tu mets Dieu avant toute chose, c'est alors que tu auras la sécurité. Lorsque tu mets Dieu à la première place, c'est alors que tu auras la stabilité. Dieu peut te donner la richesse, mais il faut que Dieu soit au premier plan, afin que toi tu puisses jouir de la stabilité. Mais après cela, qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Ahouza, son ami, et Picol, son chef de son armée. Isaac leur demanda, ou leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons, qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne feras aucun mal. Ces gens-là se déplacent vers un berger, et une nation se déplace. Les chefs de l'État ainsi que son chef d'État-major pour parler à un berger en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Isaac avait élevé un hôtel. Est-ce que tu m'écoutes? Lorsque nous élevons des hôtels, les hôtels nous donnent du repos. Les hôtels soumettent nos adversaires et nos ennemis. Et ce qui fait que les gens qui nous haïssaient, ils vont venir pour demander pardon. Ils vont venir nous dire donc qu'il y a alliance entre nous et vous. Ils ne peuvent plus nous faire du mal parce que l'hôtel a été élevé. Alléluia. Et ce matin, il y a un hôtel qui est supérieur de tous les hôtels que nous élevons. C'est l'hôtel de Christ. La Bible dit, quand Christ sera élevé, alléluia. Et au travers de cet acte, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est allé à la croix. Il a versé son sang. La Golgotha, c'est l'autel suprême. L'autel de Christ. C'est l'autel qui est supérieur de tous les autels qui peuvent exister. Ce que nous voulons prendre ce matin fera en sorte nos ennemis se soumettent. Ceux qui nous haïssaient viennent demander pardon. Ceux qui nous voulons faire du mal vont venir faire l'alliance avec nous. Là où il y avait l'instabilité, la stabilité s'installe. Là où on ne pouvait pas rester, mais à cause
de la Sainte-Sainte de ce matin, tu vas habiter dans cet endroit, dans la sécurité totale, et personne ne te fera du mal. Tout ce qui voulait te détruire, tout ce qui fait à ton poste, tout ce qui va te faire du mal, les mauvais jugements, les mauvais traitements, les calomnies, les médisances, tout ce qui complotait contre toi, au travers de ces repas, que ces gens-là tombent et périssent au nom de Jésus, qu'ils se soumettent à toi au nom saint, suprême de Dieu. Que la saison de la stabilité commence. La saison de la gloire commence. Autrefois, tu allais fiancer après fiancer. Mais à cause de ce Saint-Saint de ce matin, qui est la stabilité, celui qui va venir, il t'épouse au nom de Jésus. Celui que tu vas trouver cette fois-ci, c'est celle-là que tu vas épouser au nom de Jésus. Autrefois, ton travail n'avait pas de stabilité. Je déclare, maintenant c'est la stabilité. Autrefois, tu allais maison après maison. Maintenant c'est la stabilité. Rehobot. Le fait que l'autel a été élevé, que les changements s'imposent, que les changements s'imposent, que les nations se soumettent à toi, que les autorités se soumettent à toi, que les relations exceptionnelles, les personnes qui ne pouvaient pas te faire confiance autrefois commencent à te faire confiance au nom suprême de Jésus, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus Christ. Seigneur, ce sont que des symboles. Mais au-delà de ça, c'est le sang et le corps. Que tout ce que l'œuvre de la croix nous a apporté, s'il y a un domaine qui ne marchait pas, au travers de ce corps et de ton sang, qu'il y ait un changement total au nom de Jésus-Christ. Que ce pain, pain qui représente le corps, et la boisson qui représente ton sang puisse nous amener, notre esprit beaucoup plus éveillé, que nous puissions entretenir de très bonnes relations, nous puissions faire des découvertes, nous puissions rendre service, nous puissions localiser les opportunités, que nous puissions faire des affaires au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, au nom de Jésus. Que le monde parle de nous et nous respecte à cause de cette Sainte-Sainte. Nous célébrons ton nom et nous te bénissons, Seigneur. Nous le mangeons avec action de grâce. Que la maladie se taise. Que les irrégularités se taisent. Que l'instabilité se taise. Que la pauvreté se taise. Parce que tu te fais riche, pauvre, afin de nous enrichir. Règne, Seigneur. Élève ton nom à tout jamais. Au nom sans suprême de Jésus-Christ. Nous avons ainsi déclaré. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.